Les éditions Investigations sont très fiers de vous présenter le nouveau livre d'Hernando Calvo Ospina. Je pense qu'Hernando est un des meilleurs essayistes sur l'histoire contemporaine de l'Amérique latine. Il a publié de nombreux articles, il a réalisé plusieurs documentaires, des interviews de Fidel Castro, Hugo Chavez, Rafael Correa, les guérilleros FARC en Colombie. Parmi ses livres, j'apprécie beaucoup Rome Bacardi et Dissidents ou mercenaires, qui ont démontré avec des faits, des interviews, des documents, le rôle de la CIA derrière le terrorisme organisé pour saboter la révolution cubaine, un terrorisme meurtrier que nos médias ont passé sous silence et qui contredit tous les beaux discours occidentaux sur la démocratie. Son nouveau livre est passionnant. Il raconte, comme un véritable polar, un événement historique important, le sabotage en mars 1961, il y a exactement 60 ans, dans le port de La Havane, du cargo français La Coubre, chargé d'armes belges dans le port d'Anvers. L'attentat fit plus de 70 morts, dont 6 marins français. Qui a placé les bombes? Qui a instigé cet acte de piraterie? Pendant longtemps, La Coubre est restée une énigme non résolue, un trou noir de l'histoire, mais Hernando a obtenu des dossiers qui étaient restés cachés au public. Il a interviewé des survivants, il était temps. Et je pense, bon, Hernando est prudent et ne veut pas se mettre en valeur, mais moi je pense que grâce à son remarquable travail d'enquête, le mystère est enfin résolu, élucidé. Et je crois qu'en le lisant, vous serez comme moi, passionné et éclairé sur une des grandes énigmes de l'histoire contemporaine. Bonne lecture !